Sur ces, je déclare lancer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo les épreuves de la 4e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. Je vous remercie. Le ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a lundi 13 mai 2024 lancé la 4e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles dans la salle de l'hôtel Métropole en Mbujimayi. Dans son adresse, elle a précisé que les épreuves de la hors-session ont été précédées des épreuves préliminaires au niveau de chaque province. Antoinette Kipoulou n'a pas manqué de rendre hommage au président Félix Tshisekedi pour avoir donné l'accès à la formation professionnelle à des milliers de Congolais. Afin de procéder au lancement officiel de la 4e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. Cet examen qui a été précédé des épreuves préliminaires organisées au niveau de chaque province démarre aujourd'hui par les épreuves de la hors-session constituées de la rédaction et des épreuves en situation d'intégration programmées du 13 au 26 mai 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces épreuves seront suivies des épreuves de la session ordinaire prévue du 1er au 4 juillet prochain. Pour la présente édition, plus de 63 750 participants, dont 48 200 venus des centres de formation professionnelle et 15 550 des instituts de formation professionnelle, vont y prendre part à travers 424 centres de passation d'examen disséminés à travers le pays. Aux candidats, la ministre de la Formation professionnelle s'est adressée en ces termes. Faites preuve de savoir et de savoir-faire afin de décrocher un titre reconnu officiellement, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi à l'étranger. L'heure n'est plus aux hésitations car l'époque où la formation professionnelle était considérée comme une éducation de seconde chance est révolue. Aujourd'hui, la formation professionnelle est une des voies sûres menant à l'employabilité et à l'entrepreneuriat, permettant de sortir de la pauvreté, de la mendicité et de la dépendance financière. Je souhaite enfin à toutes et à tous bonne chance. Sur ces, je déclare lancer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo les épreuves de la 4e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. Je vous remercie. Tout s'est clôturé par l'ouverture des malles et la distribution des carnets faite par Madame le ministre Antoinette Kipoulou.